Wow. Un unboxing, ça fait un bail. Ça fait aussi un bail que je vous ai pas fait de vidéo. Donc j'ai reçu un petit colis, comme vous pouvez le voir, qui vient du Japon. Hop, on cache ça. 2500 yens, ce qui fait 16-17 €. Donc plutôt cool. Et donc on va déballer ça ensemble, rapidos. Petite vidéo à la cool, comme j'ai un petit peu de temps ce matin. Et je viens juste de le recevoir, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Ça fait un bail, j'en ai pas fait. Comme d'hab, colis du Japon, bah c'est super bien emballé. Hop. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ressemble à une figurine, n'est-ce pas? Eh ouais. Ils l'ont bien collé. On va ouvrir là. Les bons petits bruits parasites qui vont faire très bien sur la vidéo. Hop. Pour du scotch. Hop. Voilà. C'est pas abîmer la boîte. Sachant que c'est neuf. Hop. Ça, je garde ça. Voilà ce qu'on a reçu. Je vous présente ça. Petite figurine Mega Drive basée donc sur la licence donc Sega Art Girl, qui est encore un emballage qu'il faut ouvrir à la japonaise. J'espère ça comme il faut. Hop. Comme il faut peut-être pas, donc j'ai fait ça à la bourre. Hein. Voilà. On va aussi ouvrir les hop et 1, 2 hop et 3. Faut savoir que ce colis il a subi le typhon, il est parti. Le chat qui fait ses ongles au moment où on parle, c'est pas mal. Ah, Isis, c'est cool hein. Bon. Désolé pour le petit bruit de fond. Donc je disais, ce colis a subi le typhon, il est resté bloqué quasi un mois à la douane japonaise à Osaka. Hop. Mais bon, en tout cas, il est en bon état. C'est cool. Il y a encore du... Il y a du scotch vraiment partout. Hein. La vache. Super. Il y a encore du scotch. Pour ceux qui veulent garder les trucs sous blister, faut pas regarder cette vidéo. Hein. Vous allez avoir un infarctus parce que là on ouvre tout. Hop, ça on remet dans la boîte. La boîte elle va à la cave avec le reste des boîtes que j'ai. On rangera ça après, c'est pas très grave. Je vais surtout vous présenter cette figurine. Alors, comment est-ce que se positionne? Je pense que ça se met comme ça. Alors, faut pas rien la mettre. Ah, ok, comme ça. Yes! Super! Très belle figurine. Hop! Et qui vient en plus, parce que je les avais préparés, je savais quand même ce que j'allais recevoir. Hop, la version Dreamcast et la version Saturn. Plutôt cool.